Programme du jour, les petits potes, nous allons donc ouvrir aujourd'hui nos petits packs que nous avons en boutique, donc les packs vendables comme vous le savez, et puis derrière il y a le plus gros pack qui n'est jamais sorti sur FIFA, qui est un pack Joker Ultra avec 600 000 crédits, donc écoutez, on va l'ouvrir pour la science, et on verra si ça vaut la peine ou pas hein, de l'ouvrir. Alors, comme je dis tout le temps, ouvrir des packs sur FIFA ne vaut pas la peine, hormis si vous faites du contenu et tout, sinon achetez vos crédits, ça ira bien plus vite pour avoir la thunasse. Mais, ça on doit faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Comme tu peux le constater, je n'ai pas terminé l'évolution de mon petit Stevanovic, donc on va aussi un petit peu continuer l'évolution, etc, etc, stocker les crédits pour avoir de la thunasse, et puis voilà, continuer un petit peu notre aventure comme ça. Ça va être le but du jeu. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Écoutez, il y a des gros joueurs qui sont sortis. J'avoue que le Pelé me fait envie, au pire on le testera. Didier Drogba me fait très envie aussi. J'avoue que c'est des profils de joueurs que j'aime bien. Donc pourquoi pas, on va aller voir ça. Donc je me suis dit, bon, dans les packs en promo, bon, déjà on va ouvrir celui-ci pour commencer. Voilà, 10 crédits, je vais pas te mentir. Tentons la chance, on sait jamais. Défenseur droit. Ok, c'est pas forcément fou. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit. Il y avait deux SBC icônes, avec icônes qui pouvaient tomber. J'ai pas eu de la chance de ouf. Hein. Je vais vous montrer qui c'est que j'ai eu. Parési et Closé. Et après, il y avait aussi un SBC pour avoir un héros 86+, sauf erreur. Et j'ai eu Donovan et Govou. Franchement, pas ouf. C'est 86+, j'ai eu 2,86. Pas dingue, quoi. Donc du coup, comme j'ai dit, les packs en promo, ce qui va nous intéresser, nous, je vous montre ce pack-là qu'on va ouvrir. Et on a ces 10 packs ici, avec un 86+, vendable. Donc vous savez que j'aime bien ça, parce que bah clairement, à chaque fois, ça fait un petit peu des petits crédits et ça rentre de la thunasse. Donc on aime bien. Donc déjà, les 10 packs de luxe 86+, vendable. On aime bien ça. C'est parti. Ouais, la nouvelle carte de Drogba, je suis d'accord, elle est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Oula, attends, c'est spécial, ça. MC, Barcelone, boosté, en plus. Ah, à double anime, avec un boost. Ah, attends, anime boost derrière, c'est joli. Attends, y'a qui en boosté en anime? C'est qui? Oh, Simen, 4... Ouh, joli. Sympa. Bon, Simen, ça vaut un peu ou pas? Ouais, quand même, 60 000 crédits. Hein. Et pas dégueulasse, hein. J'aimerais bien packer un joueur de l'événement parce qu'on en a pas encore packé. Hein. Son dernier pack opening, on en a pas eu. J'aimerais bien réussir. Alors, bon, je pense... Oh, bah voilà. Norvège, MOC. Ah, il est dedans? Je savais même pas. Ah non, c'est double anime. Haute-Garde et qui? Bruno. Oh non, j'ai cru que c'était Bruno, frère. Mais il est dedans, Bruno? T'as, il ressemble à Bruno. Shkiri. Ok, sacré, 99 de... Attends, c'est la promo avec une stat à 99, j'ai même pas fait gaffe. 99 de frappe, frérot, tu vas mettre des frappasses avec lui, là. La frappe, incroyable. Il a quoi? Passe longue, dommage, interception, c'est nul, t'as glissé. Ah bah, mais ah, c'est dommage. 13 000 seulement, putain, c'est pas cher, hein. Je pense que je vais garder, je sais pas, on va peut-être tenter. Mais joli pack encore, oui, non, très joli pack, hein. On va pas se plaindre là-dessus, très clairement. C'est sympa. Ok, nice, là, on fait des tunasses. Ah, animation standard, il n'y a pas de joueurs spéciaux ici. Ça va être... ah oui, Gundogan. Ou double animation, c'est très bien. Quand ça fait double animation, on est très content en vrai. Hein. Gundogan et qui alors à l'intérieur? Ah, Maignan. Très bien, on prend. Oh, joueur d'événement encore. Espagne, milieu droit, Real Sociedad. Ok, Oyarzabal, intéressante la carte 80. Ah non, mais c'est pas une... Ah non. Tu vois, il a pas de 99 en stat. Bon, Oyarzabal, je vais pas te mentir, ça va se lister. Ah, le pack, c'est le moins fou. Là, on a envie de se faire plaisir, quoi, vraiment, tu vois. Suède, défenseur gauche, ok. C'est la... Rolmo? Non, comment elle s'appelle déjà? Rolfo, pardon. Rolfo double anime avec Kimmich. Très bonne note, on prend. Et un petit Joël Pereira qui vaut la bagatelle de 30 et quelques mille crédits. On va mettre à 35 et ça partira. Portugais. Défenseur gauche, FC Barcelona. Double anime avec Cancelo et... Après, c'est dommage parce que tu sais que dans les joueurs normaux, à part Mbappé, t'auras pas de valeur de fou, quoi. Haute-Garde. D'ailleurs, il est en carte spéciale en ce moment ou pas? Ça s'est un peu calmé, hein. Sur les derniers, là, c'est pas fou. Ah, je crois que c'est spécial. Je crois qu'il y a un boost à l'intérieur. Haute-Garde et qui? Haute-Garde et en animé derrière... Il me semblait que c'était un boost, mais je peux me tromper. Et bah, je me suis trompé.
Ada Egerberg. En fait, il y a un boost plus petit derrière. Je sens que la lumière était un petit peu... Oui, tu vois, on reconnaît. Let's go. Les notes sont bonnes. Hein. Allez, plus que deux packs comme ça. Tu vois, là, pour moi aussi, c'est un petit peu plus doré. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un boost, mais... Je peux me tromper. Je suis pas le spécialiste, quoi. On n'a pas genre... Pas ouf, seule animation. Eh bah, tu vois... Heureusement que je dis de la merde, parce que là, il n'y a rien du tout, en fait. Oh, le pack, là, il est dégueulasse. Celui-là, il est vraiment pas fou. Pas de joueur de l'événement. Un MOC portugais. Manchester United. Monsieur Bruno Fernandes. Allez, c'est parti. On ouvre ce petit pack-là. Petit, 1000 points quand même. Hein. Écosse. Milieu centre. Ça va être une dame, il me semble. T'as vu, United veut le MP. Non, ça c'est des articles faits pour faire du clic. Oui, joueur de l'événement, les gars. Italien. MDC. New. Oh, il y aura une sacrée carte. Ah bah non, c'est pas lui, du coup. Ah merde. C'est qui? Tapsoda. DC. Oh là, il y a une sacrée carte, Tapsoda. Putain, j'ai cru que c'était... Ouais, ok, je me suis fait avoir. Sacrée carte, hein. À tester. Oh, attends, c'est qui, lui? Ah oui, ils ont remis des trucs. Oui, juste, je me souviens. Ok, bah pourquoi pas, hein. Je l'ai en doublon? Bizarre. Ah oui, c'est le best-of. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est les best-of, mais... Bon, on va lister, hein. De toute façon, on va pas utiliser Tapsoda, je vais pas te mentir, Tonali non plus. Pack Jumbo Ultime Replay. Donc, c'est des packs assez intéressants, parce que ça va me filer aussi un pack Jumbo Ultime pour la Totti, vu que je les stocke. Donc, on y va, et c'est vendable, les potes. MOC allemand, Bayern, Munich, Magoul, et... Bruno, bien sûr. Dernier pack ici, en ultime replay. Apparemment, c'est pas animé. Ah si, peut-être gardien en black. Ok, belle animation, c'est cool. Double animation en plus, donc ça on est content. Quoi qu'il arrive, avec au black, nous aurons la chance de faire venir Harry Kane. Deux très belles notes. Hein. Gullit, on va le mettre en favori. C'est vrai que tu vois, il a la carte 89 de général, quoi. Mine de rien. Il peut jouer DC en plus. Ouais, c'est Cheetos. Même si au milieu de terrain, ton coup, il commence à te saouler, tu le fous DC. La carte, elle a l'air quand même folle. Hein. Pour ouvrir depuis là jusqu'au bout. Hein. Let's go. Et dès qu'on a un gros doublon, où j'irai 85 ou plus, on ira faire un SBC. Double anime là-dedans, parfait. Et bah ça c'est incroyable, double anime dans un petit pack à 500, ça fait vraiment plaisir. Et Kent, du coup on a dit que c'était jusqu'à celui-ci qu'on peut. Animé, allemand, MOC, BVB. Ouh, elle est belle cette carte. Magnifique, Marco Reus. Et qui derrière? Et pas genre. Sympa. Sympa en vrai le Marco Reus. Bah, il manque un petit peu. Oh, double. Avec Dumfries aussi. Eh, hey, il a une carte sympa, mine de rien. Bon, malheureusement. Ouais, c'est ça, malheureusement. Ouais. En fait, ça, il a des. Elle est sympa. Je pense pas que c'est Game Breaker en vrai, tu vois. 16 500, ça je peux ouvrir. Ok, vas-y. Alors là, les gars, un choix joueur. Héros 86+. J'ai vu des dingueries. Je vous mens pas. On va chercher uniquement Ginola ou Yaya Touré. Mais on le tente pour la beauté du jeu. Les gens qui seraient contents avec Di Natale, j'avoue, ouais, c'est sympa Di Natale en vrai. Il doit être cheaté dans le jeu, hein, j'avoue. Donc, bah, on prend Di Natale, ça reste quand même une win. Même si c'est pas moi ce que je kiffe, ça reste fort le bougre. Ça reste fort. Tu vois, 400 et quelques mille. 3000, putain, là on commence à être des packs, les gars, c'est cher. Hein. Allez. C'est blanc, c'est icône, non? Ah non. J'ai cru que j'avais pas qu'une icône. Harry Kane est derrière, c'est quoi? Grealish? Jack Grealish, yeah. Oh là là, les animations, regardez ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Le nombre d'animes, c'est fou. Oh là 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 là, mais non, mais regardez ça. Oh, le pack, il est énervé, hein. Oh là là, puis oh, mais non, mais les gars. Oh là 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 là, c'est incroyable. On va ouvrir ces deux-là. C'est parti. Oula, jaune. Brésil, MC, Newcastle. Ok, Wellington. Moi, je l'avais déjà eu. Mais il a une belle carte, hein. Il est très sympa. Et derrière, c'est qui?
ou Icone Kluivert, incroyable. Bah, il a des stats quand même un peu en dessous, malheureusement, hein, quand tu dis Icone, tu vois. Mais ça fait plaisir de pas qu'il y ait une Icone quand même. Ouais. Non, mais pas mal. Pas mal. Il y a mieux, mais pas mal. Allez, les gars, c'est maintenant. Joyeux Noël. Égypte, attaque en droit. Mohamed Salah, il est boost ? Ah non, c'est un boost derrière, avec Mohamed Salah normal. Osimhen du coup ? Ouais, ok. Bon, on a deux belles... C'est pas fou, mais je sais pas si... Tu sais jamais ce qui arrive avant. Tu sais jamais les joueurs qui viennent avant ou pas, donc... pour l'instant, c'est pas fou. Mais vu que ça peut cacher derrière, on va voir ça cache, éventuellement. Ah, c'est pas ouf. Ouais, c'est... Ouais, c'est pas dingue, hein. Non, c'est pas ouf. On va le dire, hein, c'est pas ouf. Bon, les gars, on y va, c'est bon. Allez, on arrête de bégayer. Tu sais quoi ? Déjà, là, hop, retenez bien. Je vais chercher mon Ginola ou mon Yaya Touré maintenant. Bizarre. Un élément icône ou aérodynastie ultime. Plus 20 éléments au rare 84 ou plus. Et là, c'est 70 trucs. Bon, allez, hein, bonne chance à tous. Allemand. MDC, Kimmich, ok. Je crois qu'il n'y a pas de joueurs spéciaux, les gars. Kimmich et Ruben Dias, c'est des très bonnes notes. Par contre, en termes de boost, on est content. Le nombre d'animations, on est... c'est bien. C'est très bien. Ok, bah franchement, il y a pire. On va pouvoir faire des SBC, joueurs boost. Bon bah, let's go, hein. C'est parti les potes. Bonne chance à vous. Ah putain, y'a même pas de joueurs spéciaux là. Bon, Black, c'est une bonne note. On re-remplit, c'est bien. Double anime, bien évidemment. Avec un deuxième gardien, Ter Stegen. Ok, bon. Pas forcément dingue. Bon bah, on a des boosts. On a des boosts. Oh, le nombre d'animes, il est dingue par contre. Y'a des trucs ou pas? Putain, c'est vraiment les mêmes. Berardi. Oh, Berardi 5. Ah non, dommage. On a une icône dynastie ultime, fulgurance, triple menace ou centurion garantie, les gars. Je sais pas ce qui peut être le mieux, mais espérons quelque chose qui rentrerait éventuellement dans l'équipe. Et c'est parti. Allez. Portugais MC. Ah non, c'est pas l'icône, ça. Bernardo Silva et qui ? Véron ? Ok, ouais, c'est pas... C'est sympa comme carte. En plus, il a joué à Manchester. Mais je vais pas la jouer. Mais il a des belles stats. Qu'est-ce qu'il a comme stats in-game? Il a quoi? Coup de pied arrêté. Ok. Passe longue, ouais. Passe incisive, ouais. Ouais, non, c'est pas vraiment des trucs qui sont fou. Hein. Ouais, le pack est dégueulasse, hein, on va pas se mentir, le pack est pas ouf. Mais on l'aura tenté. Au moins, on l'aura tenté. Allez, terminado. Toujours voulu avoir Goulet dans mon équipe. Le 86, on sait qu'il était pas ouf. Mais apparemment, le 89 a l'air sympa. On l'a fait gratuitement. On n'a pas dépensé un seul centime de crédit dans notre club. Donc clairement, bon bah autant le tenter, on se fera un avis dessus. Mais s'il est aussi fort qu'éventuellement ses autres versions, eh ben on sera content et on va tester ça avec hâte. Clairement, en termes des stats, nous sommes sur les têtes puissantes, la passe longue, la passe incisive, l'anticipation qui est intéressante, résiste au pressing plus, garde un contrôle exceptionnel précis du ballon lors des dribbles en trottinant. Protéger le ballon bien plus efficacement. Ouais, ça c'est la course R1, ça je crois. Duel aérien qui est sympa et puis aussi infatigable. Donc il va être cool, bien évidemment. 5 étoiles, MVP, 4 étoiles, geste technique. Vous pouvez le jouer en MC, en DC, en attaquant aussi si vous avez envie, et en MDC. Donc en termes de poste, il est super pratique à placer. Et écoutez, bah, ça rentre dans le club instantanément. Et Juju, du coup, on l'avait prévu. Il va donc prendre la place de notre cher Xabi Alonso, parti trop tôt, bien évidemment. Puis voilà, hein. On va pas aller chercher plus loin. Pour l'instant, l'équipe, elle est comme ça. Il faudra qu'on finisse d'améliorer notre petit Stevanovic aussi un jour. Donc, plutôt cool. Vas-y, on va ouvrir le gros pack. Bon, les gars, ce pack-là, bonne chance à tous. Les probas. Putain, c'est faible quand même, hein. 9,7. Moins de 1% à joueur fulgurance. 100% de joker, joueur joker hiver. Icône 33%. Hein. Allez, bonne chance à tous. Français. AC. Oh, c'est Nkunku. Ah non. Benzema, ok. Et derrière, il y a qui? Il y a un joueur spécial au moins? Normalement, oui. Hein. De Bruyne? Ok, donc les notes sont folles. C'est déjà très cool en termes de notes. Maintenant, il faut que derrière, il y ait banger, quoi. Ah! Bon alors, en termes de notes, on est quand même très content. Hein. Ça va nous être utile pour des éventuels SBC. Ah ouais, c'est toujours les mêmes. Hein. Bon, Grimaldo doit être assez intéressant, mine de rien. Mais
Mais bon, après, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, pas grand chose de foufou, hein, en vrai, on va pas se mentir. Hein. On n'est pas vraiment très très chanceux, hein, en vrai. Sur ce pack-là, pas simple.